le menuisier travaille essentiellement le bois. Il connaît les essences de bois et les matériaux utilisés. Il aime construire ou transformer les matières premières. Il sait également se servir d'outils et de machines nécessaires à la pratique du métier. Le métier de menuisier donc, consiste à la réalisation et le placement d'ouvrages très divers, aussi bien donc, sur atelier que sur chantier, en équipe ou comme indépendant, donc c'est très varié. Le bois indigène principalement, et puis donc tous les bois exotiques pour ce qui est de la menuiserie extérieure, pour la durabilité, etc. Donc il y a plusieurs classements. Et voilà, en fonction des différents ouvrages, on doit choisir et sélectionner le bon bois. Il faut déjà commencer par pouvoir élaborer un plan. Ensuite, il va falloir faire toutes les étapes du travail et alors donc programmer les différentes machines qui vont servir à cet ouvrage. Donc en fonction justement du travail, on va sélectionner les machines, aussi bien que ce soit une machine numérique que du travail manuel, donc tout est un petit peu très varié en fait. Il faut être très polyvalent parce qu'il faut pouvoir donc intervenir à toutes les étapes du travail, il faut pouvoir penser en trois dimensions, il faut être prudent, il faut être à l'écoute aussi d'un client, d'un patron, de pouvoir intervenir rapidement. Alors la satisfaction du travail bien fait, le plaisir de travailler un matériau qui est durable, naturel, chaud, qui permet de réaliser tout ce qu'on veut, tout ce dont on a besoin dans la maison en fait. Que ce soit du mobilier de jardin, que ce soit donc du mobilier intérieur, donc tout ce qui est plutôt dans les escaliers, dans les portes intérieures, les parquets, les plafonds, les cloisons, dans les salles de bain, etc. Enfin, tous les ustensiles de cuisine aussi, voilà. On a du bois partout. Il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre. Il y a toujours une recherche, il y a toujours donc un nouveau défi. C'est un travail que déjà il y aura toujours du boulot, on a toujours besoin d'un menuisier. Et puis la menuiserie en elle-même, on peut tout faire avec le bois. Donc la seule limite c'est l'imagination ou les moyens. L'odeur du bois, travailler avec un matériau qui est noble. Le menuisier s'adapte à la demande des clients et réalise des pièces sur mesure. Il fait preuve de rigueur et est toujours concentré. Il sait également lire un plan et dessiner son avant-projet.